Bonjour à tous, bienvenue sur le Pont Neuf, le plus ancien pont de Paris. Vous savez, entre parenthèses, il ne reste plus une seule pierre d'origine, hein, du plus ancien pont de Paris, avec toutes les restaurations, les réhabilitations. Alors, je vous propose aujourd'hui de descendre et de découvrir Paris au fil de l'eau. Alors ça, c'est vraiment le point de vue idéal pour voir le vrai Paris, la Seine. Alors je sais qu'il y a des promenades en bateau-mouche qui vous proposent ça, mais avec moi les enfants, ce sera tellement mieux. Allez, c'est parti. Mesdames, Messieurs, rapidement, quelques notions fondamentales. Vous avez ici une tour du 19e siècle, hein, une tour métallique du 19e siècle. Nous sommes en train de faire demi-tour sur la Seine. Alors lui qui est un passionné de l'Empire, vous imaginez qu'il va être profondément ému, Dimitri Casali, car mesdames, Messieurs, voici le pont d'Iéna. Voilà, le pont d'Iéna, hein, le pont de Iéna, on voit bien les aigles impériaux et... C'est vraiment un pont magnifique, a été commencé en 1806, hein, au lendemain de la bataille, la victoire de Iéna sur les Prussiens. La seule victoire des Français sur les Allemands, il faut quand même le signaler, la seule fois où nous avons gagné. Et il a été inauguré en 1813. Et malheureusement, en 1814, comme vous le savez, Napoléon est vaincu. Et les Prussiens, dès qu'ils rentrent à Paris, n'ont qu'une idée, c'est venir détruire le pont de Iéna. Heureusement, Louis XVIII s'est opposé à cette destruction et le pont est toujours là, vous le voyez. À cette époque, donc Napoléon, encore une fois, avait son cabinet de travail là, au château des Tuileries et un jour, il rentre, il voit son secrétaire Bourrienne en train de regarder les quais de Paris par la fenêtre. Il dit « Alors, Bourrienne, encore une fois, je vous surprends en train de regarder les jolies filles par les fenêtres. » Il dit « Non, non, mon empereur, absolument pas. J'étais en train de constater l'insalubrité des quais. » Et Napoléon se penche, regarde et dit « Vous avez raison, Bourrienne. Notez, à dater de ce jour, les rives de la Seine seront donc endiguées de quais en dur. » Et effectivement, un an après, il y avait 3 km de quais en dur dans Paris. This way, love goes away. And our hearts fell like dying. Bienvenue au port de l'Arsenal. On est juste derrière la place de la Bastille à Paris. On est au cœur de Paris. Alors, au Moyen-Âge, pour vous dire, à l'époque de la guerre de Cent Ans sous Charles V, la limite de Paris, c'est ici. Hein, on est à la Bastille. Et là, c'est la campagne. Voilà, on est dans le Grand Vert. Alors, quelques siècles plus tard, c'est Napoléon qui va se dire cet endroit, on va y aménager une espèce de port, un port militaire. On est en 1805, il y a des frégates, des goélettes magnifiques, armées de canons qui sont ici. Et puis, au fil du temps, cet endroit va être abandonné, tellement abandonné que dans les 70s, dans les années 70, eh bien, il va y avoir une usine de sanitaire qui va entreposer partout, ici, là, des baignoires, des toilettes, des lavabos et des bidets. Et les Parisiens vont baptiser cet endroit qui est quand même magnifique, ils vont le baptiser Port Bidet. Port Bidet, c'est navrant quand même, hein, au cœur de la capitale, Port Bidet. Et puis finalement, eh bien cet endroit, dans les années 80, va redevenir, ou plutôt devenir un port de plaisance au cœur de la capitale, dans le port de l'Arsenal. Vous êtes Charlotte. On vous a tout dit. Et voilà. Bonjour, voilà. Charlotte. Ravi de vous rencontrer. Et vous êtes ? Éric. France 3, le plus grand musée du monde. Pas mal, vous avez une vie qui n'est pas désagréable, vous, ici, à quai, comme ça. J'ose dire que je me considère comme une privilégiée. Vous êtes ici depuis combien de temps ? Je pense avoir été la première à demander une place dans ce port, c'est-à-dire il a ouvert en 83, je suis arrivée en 83. C'est, combien il fait ? Une vingtaine de mètres ? Vous plaisantez, 15 mètres. 15 mètres, 15 mètres, oui. Ah, je ne suis pas très bon en évaluation. Non, là, pas du tout. Et vous bougez ou vous restez ici toute l'année ? Alors, pendant un certain nombre d'années, nous avons navigué sur les canaux, on est descendu en Méditerranée, remonté et tout. Puis il arrive un moment où on prend de l'âge. Hein. Ouais. Et puis... Vous êtes une préadolescente, pratiquement. Oui, 4 fois 20 ans. Je n'ai que 4 fois 20 ans. C'est vrai ? Oui. Eh bien, vous êtes magnifique. Merci, monsieur.
C'est-à-dire, c'est la vie de bateau peut-être. Ouais. Et surtout, c'est le bateau qui... Non, il y a une raison. C'est que dans un appartement, on est enfermé, on est en prison. Ouais. Moi, dans un bateau, je dis que le port, c'est ma famille. Je connais tout le monde, les étrangers, ceux qui passent et tout. Nous avons une relation de voisinage absolument extraordinaire. Et ce qu'il y a de fabuleux dans un port, et c'est valable dans tous les ports, hein, c'est toute génération confondue et toute situation sociale confondue. Ouais. Il n'y a pas la discrimination que l'on trouve à terre. On habite dans le 20e ou dans le 16e, voilà. Hein. Ouais. Et ça, c'est formidable. Je vous souhaite d'y être encore longtemps heureuse. Je me le souhaite. Et j'ai pas du tout envie d'aller à terre. Ouais. Voilà. Bonjour madame. Bonjour monsieur. How do you do? I do very well. You don't speak French? No. Elle ne parle pas français. Where do you come from? I come from Australia. Australia? Yes. Australia? Yeah. You are Australian? Yes, I was born in Scotland, but I'm Australian now. Elle est née en Écosse, mais elle est australienne maintenant. Yeah. But this is a Holland boat. This is a Dutch boat, yeah. A Dutch boat. We bought this in 2009. Voilà, ils l'ont acheté en 2009. It's your house? It's our house. Yeah. We live all the time. And you stay in Paris since? We came into Paris the beginning of October. Mm. So we had winter in Paris, which has been wonderful. When will you leave? We will leave in about a week. Translation, regarde-moi, je vais tout traduire. Tout traduire. Cette dame australienne a acheté en 2009 un bateau hollandais, magnifique. Vous voyez l'allure, non, honnêtement, une allure incroyable. Et elle est venue passer l'hiver ici, dans le port de la Bastille. Elle est là depuis le mois d'octobre et elle s'en va dans une semaine. Translation, my French translation was perfect. It was, I understood it. Attention, cette dame, c'est l'immigration clandestine à elle toute seule, mais par les canaux. You love Paris, you love the French. Love Paris, love the French, love the food, love the wine. We call that a Dutch Spanish, a Dutch boat, a Dutch... Well, it's really, I believe, a scootsie. A scootie? A scootsie. Repeat. Scootsie. A scootsie. Yes. Which... This is a scootsie. Yes. Voilà. Cette typologie d'embarcation fluviale, d'inspiration hollandaise, s'appelle un scootsie. Scootsie? Oui. Scootsie. Thank you, Leslie. My pleasure. Emmanuel, qui s'en va à Strasbourg dans 8 jours. Alors là, juste derrière le pont, là-bas, c'est la Seine, et vous avez l'Institut médico-légal, autrement dit, mesdames, messieurs, la morgue. Vous savez pourquoi on appelle ça la morgue? Parce qu'avant d'être une morgue, c'était une prison. Et il y avait donc des prisonniers et il y avait donc des matons. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les matons? Eh bien, ils venaient morguer les prisonniers. Sous l'Ancien Régime, morguer, ça voulait dire mater d'ailleurs. Mater, regarder, surveiller, voilà. Alors c'est un endroit extraordinaire parce que figurez-vous qu'au 19e siècle, les Parisiens venaient faire du tourisme. Écoutez, j'ai trouvé ça, alors c'est dans du Zola, hein. J'ai trouvé ça, enfin en réalité c'est le guide, hein, qui a trouvé ça. Qu'est-ce que vous croyez? Que les animateurs de télévision ne regardent pas les guides de voyage? Ben si, on se nourrit des guides. Alors écoutez, c'est dans Thérèse Raquin de Zola. Lorsque les dalles sont bien garnies, lorsqu'il y a bel étalage de chair humaine, les visiteurs se pressent, se donnent des émotions bon marché, s'épouvantent, plaisantent, applaudissent ou sifflent comme au théâtre et se retirent satisfaits en déclarant que la morgue était très réussie ce jour-là. Voilà, le petit peuple de Paris allait passer le dimanche à regarder la morgue. C'est pas mal, ça a bien changé, hein. Le tourisme n'est plus ce qu'il était. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I ain't got nobody just to call my special friend. Et là, ta-ta-ta, si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau, si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent, l'Antonio, ton. Pom, pom, Georges Brassens. Le pont des Arts, c'est aussi Napoléon. Eh oui, c'est encore un pont de Napoléon, un des 4 ponts hein, que Napoléon a construit. On a vu le pont d'Iéna, le pont d'Austerlitz, le pont Saint-Louis aussi et le pont des Arts. Ouais. Effectivement, il a commencé en 1801 et terminé en 1804. C'est une passerelle. Donc, c'est le premier pont métallique dessiné par l'empereur lui-même. Et il voulait absolument que ce soit une espèce de jardin suspendu avec des bacs à fleurs, des bancs où les Parisiens auraient pu venir flâner. Parce que Napoléon tenait absolument à ce que Paris devienne la capitale de tout l'Occident.
13 arches, c'est le pont neuf, regardez. De part et d'autre de l'île, vous voyez, de l'île de la Cité. C'est le pont neuf, il a été bâti en 1600, hein. On est sous Henri IV. Henri III a décidé en 1578 à commencer sa construction, mais vous savez, c'était les guerres de religion, donc il a mis plus de 30 ans à être achevé. Effectivement, c'est Henri IV qui l'a inauguré en 1606, vous voyez. Et d'ailleurs, on voit les fameux mascarons de Germain. Visages, là. Ouais, ouais. Les visages réalisés par Germain Pilon, le sculpteur. Et on dit que effectivement, ce sont tous les ennemis d'Henri IV, qui sont représentés sur chaque visage. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, c'est le quatrième pont de Paris, il y en a 37 aujourd'hui, mais au début du XVIIe siècle, ça n'est que le quatrième, et c'est le premier pont qui n'est pas habité, parce qu'il y avait des maisons sur les ponts, et celui-ci, c'est le premier pont qui n'est pas habité. Voilà, vous avez derrière nous une petite église dont j'ignore le nom. Voilà, Notre-Dame majestueuse. Alors le pont au change, c'est quand même très intéressant parce qu'en fait tous les ponts de Paris étaient des ponts payants. Il y avait des droits de passage, des péages, hein, puisqu'ils avaient coûté une fortune aux marchands de l'eau, hein, les marchands parisiens qui possédaient ce monopole des ponts. Et effectivement, quand on voulait passer un pont comme ça, il fallait payer un droit de passage. Tous les Parisiens devaient payer, excepté les saltimbanques qui, eux, avaient le droit de faire un tour avec leurs petits singes. Et quand ils faisaient leur tour avec leurs petits singes, justement, est née cette expression magnifique, payer en monnaie de singe. Ah. Alors on trouve tout sur les bords de la Seine, des canards, des amoureux, des sans-papiers et même des sapeurs-pompiers. Regardez. Notre mission principale, évidemment, c'est le secours à personne en tout lieu. Donc pour l'exemple d'aujourd'hui, c'est nautique, puisque ça englobe ici, on est sur la Seine, où nous intervenons fréquemment l'été pour des problèmes de noyade ou des problèmes de véhicules tombés à l'eau, etc. Les déplacements sont assez longs par voie routière, cumulés aux embouteillages. L'hélicoptère trouve toute sa plus-value dans ce type d'intervention. La base hélicoptère de la sécurité civile est à Paris, sur l'héliport d'ici les Moulineaux. Et les SAMU, les pompiers qui ont besoin d'une intervention hélicoptère nous appellent directement et nous décollons. Alors nous, on est d'astreinte dans les centres de secours. On prend des gardes dans des casernes, prêts à intervenir. C'est-à-dire qu'on met environ moins d'une minute pour partir. En 2010, nous avons réalisé 250 interventions pour personnes tombées en plan d'eau. Sur ces 250 interventions, nous avons réalisé 33 sauvetages. C'est-à-dire que nous avons sauvé d'un péril réel et imminent 33 personnes. Alors aujourd'hui, c'est un exercice, mais ça peut nous servir, peut-être pas quotidiennement, mais ça peut nous servir à sauver des vies. Derrière moi, le zouave du pont de l'Alma, une véritable star de la Seine. Alors, ce pont n'a pas grand intérêt. En fait, c'était un pont du 19e, il a été détruit, reconstruit dans les années 70, pas formidablement. Mais à quoi il sert, le zouave du pont de l'Alma? Eh bien, vous le savez, il sert à mesurer les crues de la Seine. Il y en a eu, hein, des crues de la Seine. Il y a eu une vingtaine depuis le 6e siècle. La plus importante était au milieu du 17e siècle, près de 9 mètres. Vous imaginez, la Seine a monté de près de 9 mètres. Et puis la plus célèbre des crues,
c'est pas celle du 17e, il n'y avait pas beaucoup de photos, d'images. C'est celle de 1910, hein, il y a 100 ans. Alors là, extraordinaire, le niveau de la Seine en 1910 a augmenté de 8,62 m. Et ce zouave là, quand même, le zouave domine la Seine de 10 mètres, eh bien, avait de l'eau jusqu'aux épaules. Voilà à quoi il sert, le zouave du pont de l'Alma. Il y a autre chose que les ponts sur la Seine à Paris, effectivement, de part et d'autre de chaque pont. En règle générale, vous avez au pied un port. Vous avez derrière le pont de Tolbiac avec le port de Bercy sur la rive droite.